footballeur pour réaliser le rêve qui te tient si tant à cœur, c'est-à-dire celui de devenir footballeur professionnel. Je t'en prie, suis cette vidéo du début jusqu'à la fin. N'oublie pas de liker la vidéo, de t'abonner et d'activer la cloche de notification parce qu'on sort de contenu tous les jours. Beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Certains sont déjà footballeurs professionnels, même si vous êtes déjà professionnel, suivez cette vidéo du début jusqu'à la fin parce que vous pouvez aller encore plus loin que ça. Notre erreur que nous commettons souvent dans le football, c'est que bon, certains, quand ils signent le Graal, bon, quand ils commencent à gagner un peu d'argent, ils se disent que bon, c'est fini, alors qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Si Cristiano Ronaldo et Lionel Messi continuent de travailler jusqu'à une certaine période, c'est parce qu'ils se disent que ah, j'ai pas encore atteint le niveau que je veux atteindre. Ayez des objectifs. N'abandonnez pas vos rêves. Rêvez grand. C'est vrai que c'est dur, mais c'est pas facile de réaliser ces rêves-là. Et de les réaliser vite. Il faut travailler d'arrache-pied. Il faut être au four et au moulin. Faut se priver, bien sûr, de sortir dans les boîtes de nuit. Faut se priver d'aller à des endroits donnés. Vous voyez, beaucoup de footballeurs veulent le Graal. Ils veulent accomplir, bien sûr, les rêves, mais ne savent pas quoi faire. Savez-vous combien de personnes qui sont en train de courir matin, midi, soir, tous les jours, en allant travailler? Mais ne travaillant pas, bien sûr, dans leurs rêves. C'est-à-dire, ils font ce travail-là par peur et par suivi. Vous avez choisi d'embrasser une carrière de footballeur. Pourquoi ne pas mettre la chance de votre côté? Pourquoi ne pas faire les choses qu'il faut faire pour pouvoir, bien sûr, avoir cette belle carrière que vous êtes en train de miroiter? Concentrez-vous sur votre vie. Concentrez-vous sur vous-même. Ne vous concentrez pas sur ce que vous ne pouvez pas, bien sûr, contrôler. C'est-à-dire, tel problème passé, telle personne ne sait pas jouer, telle personne, bon, il a fait ci. Non, concentrez-vous sur vous-même. Concentrez-vous sur votre carrière. N'enviez personne. Ne condamnez pas les gens. Bon, c'est à cause de telle personne que je ne suis pas en train de réussir dans le football. Non, c'est toi-même. Est-ce que tu as ce pourquoi-là? C'est dur, c'est pas facile. Mais il faudra s'y faire. Pourquoi tu es en train de jouer? Tu n'as pas un pourquoi et tu es en train de jouer seulement. Ça veut dire que tu n'as pas d'objectif à atteindre. N'abandonne pas le temps. Les temps rudes viendront de temps en temps. Vous voyez, beaucoup se plaignent. Beaucoup ne travaillent pas pour leurs rêves. Je le disais tantôt. Beaucoup sont là à travailler dans d'autres choses. Mais vous avez choisi le football. Et le football doit être votre religion, votre credo. Matin, midi, soir. Vous savez combien de footballeurs travaillent tous les jours pour pouvoir accomplir leurs rêves? Vous êtes des milliers sur des milliers. Pourquoi pas des millions, des milliards de footballeurs. Et on veut la crème des crèmes. Tu dors trop. Travaille matin, midi, soir. Travaille matin, soir. Un footballeur qui dort trop, qui ne travaille pas, ne veut pas avoir une grosse carrière. Aujourd'hui même, les deux séances, les trois séances par semaine ne suffisent plus. Une séance par jour. Oui. Et mieux encore, les deux séances par jour, s'il vous plaît. Qui s'accroche, décroche. Mais si vous laissez vos rêves partir en fumée, vous allez regretter demain. C'est vrai. Les gens te découragent. Bon, c'est ce football-là que tu entends jouer depuis tout ce temps, mais on ne voit rien. Qu'est-ce qui se passe? Ne les écoute pas. Va dans les endroits où tu n'auras pas, bien sûr, à subir ce genre de critiques. Là, tu auras l'esprit tranquille et travaillé. La seule vengeance que tu as, c'est de réussir, de devenir footballeur professionnel et de montrer à ceux qui se moquent de toi que voilà, c'est la réponse à. Il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de vengeance. À ces calomnies, ces insultes, à ces mots qu'on dit tous les jours à ton encontre, c'est seulement le succès qui va faire du bruit et qui sera retentissant. Ceux qui te critiquent aujourd'hui viendront à ta table demain. Oubliant même qui t'en a critiqué dans le passé. C'est le succès, la réussite qui fait ça. Continue de jouer ton football. Fais ce qu'il faut faire. Regarde les vidéos sur la chaîne ici. Motive-toi tous les jours avant d'aller aux séances d'entraînement. Je vous ai dit, en allant aux séances d'entraînement, ne dites plus je vais à l'entraînement. Dites je vais chercher des millions. Chaque jour, tu auras des vidéos. Vidéo de motivation aujourd'hui, vidéo de performance demain. Motivation, performance, motivation, performance. C'est comme ça que nous allons fonctionner sur la chaîne.
Les footballeurs m'écrivent par-ci, par-là, matin, midi, soir. Oh, j'ai envie de travailler avec vous. Je vais être dans votre agence. Si je ne vous vois pas, je ne connais pas votre niveau. Je ne peux pas vous prendre. Je ne peux pas vous suivre. Si je n'ai pas un entretien avec vous, comment voulez-vous que je vous... Non, tout se fait à base de l'entretien. Plus 229 53 63 87 30, vous allez passer un entretien. Il y a notre adresse mail qui est en commentaire épinglé en description de cette vidéo. Le lien pour intégrer notre groupe WhatsApp aussi, même chose. Vous avez toutes les cartes en main pour faire une grosse carrière de footballeur. Donc, si vous voulez faire une grosse carrière, la balle est dans votre camp. Maintenant, si vous ne voulez pas faire une grosse carrière, la balle est encore dans votre camp. Certains parmi vous ont des rêves petits. Si tu rêves, si tu vises la lune, tu auras les étoiles. Il faut avoir des rêves grands. C'est vrai que ça va prendre du temps. Mais ils finiront par comprendre. C'est juste une question de temps. Vous avez des rêves tellement petits. Bon, peut-être que tu es en Afrique. Bon, j'irai jouer en France. Même si je trouve 4e division. Même si je trouve 5e division. C'est quelle mentalité ça? Ça veut dire que tu te mets des barrières. Tu te mets des limites déjà par rapport à ta carrière. Même si je trouve 5e division. Même si je trouve 2e. Quelle mentalité? Toi, tu n'as pas envie de jouer la Ligue des Champions? Tu n'as pas envie d'entendre bien sûr cette musique qui résonne tous les mardis soir, mercredi soir? Vise haut, vise loin. N'abandonne pas tes rêves. Réalise vite tes rêves. Parce que le temps passe, l'heure passe. Quand je vois aujourd'hui des footballeurs qui diminuent leur âge, on les montre sur les réseaux sociaux avec un visage de vieillard et on dit qu'il a 20 ans, je pleure à l'intérieur de moi. Parce que vous n'avez pas eu à travailler de manière régulière. Le travail n'était pas suivi. Vous avez du retard dans votre formation. Tu t'es contenté des 2 séances par semaine dans ton club. Le fait de travailler tous les jours, le fait de travailler plus que les autres, va augmenter vos chances de réussite. C'est ça. Et va vite vous rapprocher de vos objectifs. Vous gagnez du temps au fait en travaillant beaucoup. Mais si vous vous contentez de travailler peu, vous allez perdre beaucoup de temps. Un footballeur, c'est pas quelqu'un, une personne vulgaire. Un footballeur, c'est le respect. On doit pouvoir respecter un footballeur quand on le voit. Vous avez choisi des métiers nobles. Réalisez vite, vite vos rêves parce que le temps passe. Vous avez seulement 10 ans au haut niveau, au plus. À 30 ans, 32 ans, 34 ans, 35 ans, c'est fini. Votre football est terminé. Et pourquoi ne voulez-vous pas courir rapidement? Et restez toujours là à vous plaindre. Je n'ai pas mangé, je ne trouve pas à manger, c'est pourquoi je ne joue pas. Ah bon, je n'ai pas de chaussures, c'est pourquoi je ne suis pas venu au centre d'entraînement. Je n'ai pas ci, je n'ai pas ci, je n'ai pas ça. Vous pensez que les gens ont le temps pour écouter vos plaintes, les gens ont tout le temps d'écouter vos balivènes là. Non. Tout le monde veut fonctionner avec des footballeurs qui ont la chance, bien sûr, qui veulent bien sûr évoluer. Je dis la chance, des footballeurs qui veulent réellement évoluer. Et par rapport à cela, on vous fait des chic tests. Vous faites des petits tests et vous rentrez dedans. Si on voit un footballeur déterminé qui veut réellement réussir, on sent et on sait. Mais par contre, si on voit quelqu'un que, bon, lui, il ne veut pas réussir, hein, il veut juste s'amuser et tout, on sait encore. Donc, méfiez-vous beaucoup. Vos rêves doivent passer avant tout. Ton rêve ne peut pas être bon, je vais jouer dans mon championnat et après j'ai non, c'est pas ça. Maintenant, le rêve ne peut être non plus bon, je joue pour voyager, pour aller. Non, est-ce que tu as un plan de carrière? Est-ce que tu as un plan de carrière que tu veux défendre? Tu n'as pas de plan de carrière, tu n'as rien, ça ne peut pas marcher et tu n'es pas régulier. Être régulier, c'est s'entraîner tous les jours. Être régulier, c'est jouer au moins un match par semaine. C'est ça. Vous serez en jambes. Donc, si vous pensez que, bon, le football, bon, je me lève, bon, comme j'ai un peu d'argent maintenant, bon, je vais faire d'autres activités. Voilà encore un autre truc. Ceux qui combinent les activités, ils font plusieurs tâches à la fois. Je ne dis pas de faire d'autres choses, mais... il faut avoir des priorités au fait. Moi qui vous fais des vidéos ici tous les jours, est-ce que je suis bête?
Certains vont croire qu'il n'a pas le temps. Non. Je veux changer le monde. Je veux changer des footballeurs. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous avez apprécié les conseils. Footballeurs, réalise rapidement. Réalise vite à tes rêves. Et rêvez grand. C'était moi. C'est juste une question de temps. Ciao.